Salut, donc c'est Ben du blog tradingdebutant.com. Alors dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment télécharger MetaTrader et comment le configurer de manière plutôt classique, on va dire. Donc, pour avoir accès à la plateforme MetaTrader, je vais utiliser le broker Oanda. C'est pas mon broker, j'ai pas de partenariat avec eux. C'est juste que faut bien choisir un. Donc là, on va prendre celui-là. Donc voilà, open a new account. Ouvrir un compte de démo. là, on peut écrire nos informations. Donc là, les informations ne sont pas très importantes, surtout pour un compte de démo comme celui-ci. Tac. Et voilà, donc ensuite, on télécharge MetaTrader 4. Puis on l'installe de manière tout à fait classique. Bon, par contre, désolé pour la qualité de la vidéo, ça risque de pas être terrible, c'est la première fois que je fais ça. Ah bon, c'est un petit peu long là par contre quand même. Et voilà enfin. Donc voici le premier affichage que vous aurez de votre MetaTrader. Alors on va commencer par ouvrir un compte de démonstration sur n'importe quel serveur de démo. On va voir. Nouveau compte de démonstration. Suivant. Voilà, on sélectionne un montant, 10 000 dollars par exemple. Tac, ça. On peut laisser, on coche, suivant. Et terminé. Voilà, on entre dans le vif du sujet. Voilà. On va agrandir cette fenêtre, par exemple. Et voilà, donc là, on fait clic droit, propriété ou F8, comme vous le voyez. C'est là que ça commence à être intéressant. Donc, on va changer la couleur des bougies. Donc, barre baissière, on va les mettre en rouge. Les bougies haussières en vert, lime et rouge. Voilà. Ensuite, dans le général. Donc, on vérifie de bien avoir les chandeliers japonais. Et
Alors, on montre la ligne du ask. Comme ça, on aura le spread affiché. Ok. Voilà, là déjà, c'est plus intéressant. Alors, ici, on a les différentes unités de temps. Donc, les mois, une bougie représente un mois. Une semaine, une bougie représente une semaine. 4 heures, un jour, 5 minutes, 1 minute, etc. On va commencer par installer quelques indicateurs. Donc, on va faire quelque chose d'assez classique. Il va enlever cette moyenne mobile. Clic droit, supprimer l'indicateur. Et on va mettre des moyennes mobiles. Moyenne mobile 20 en rouge. Moyenne mobile 50, ici c'est le nombre de périodes, hein, 50 périodes, donc la moyenne mobile des 50 dernières, là en l'occurrence c'est une minute, donc 50 dernières minutes. En jaune, pourquoi pas une moyenne mobile plus long terme, à 200, en bleu par exemple. Et voilà. On va se mettre sur le graphique 1 heure, ce sera plus intéressant. Peut-être dézoomer un peu, voilà, on peut cliquer ici pour prendre du recul. Là, on peut voir que c'est nettement baissier, par exemple. Ensuite, j'aime bien les oscillateurs. Là, je travaille avec deux qui sont le stochastique, par exemple 14, 3, 3. Et le RSI sur 21 périodes. Voilà. Là, on peut commencer à avoir un premier truc. Ensuite, bon, je sais pas pourquoi il m'a fait un compte à 1 million. C'est parce que j'ai demandé, mais c'est pas grave. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Bon, pour prendre un ordre d'achat ou de vente, c'est là, buy and sell. Par défaut, le trading en un clic n'est pas configuré, il faut le faire. Donc, on clique sur buy une fois, ça ouvrira pas d'ordre. J'accepte les termes. Ok. Là, maintenant, en cliquant sur buy ou sur sell, on achète ou on vend. Je sais pas, on va se mettre sur le 15 minutes par exemple, on peut voir un peu plus la tendance, comme ça, tac. Et ce qu'il faut faire par exemple, c'est voir sur le graphique 1 heure la tendance qui est baissière. Donc à partir de là, on va chercher des points sur le 15 minutes. Et on va, par exemple, un point qui était celui-ci, et c'était bon pour vendre le marché. Après, forcément, là, je vous dis ça comme ça, mais en situation réelle, on le sait jamais comme ça, on sait jamais si simple. Mais voilà, c'est ça le trading. Par exemple, là, bon, je dis pas que c'est haussier ou baissier. Là, c'est juste pour faire voir comment ça se passe. Donc, je fais un ordre d'achat, tac, qui est activé automatiquement. Ensuite, pour mettre un stop loss, je prends la ligne verte qui délimite l'ordre d'achat. Je le descends ici, par exemple. Et là, c'est mon stop loss à 16 pips. Là, enfin, ça écrit 166, mais c'est des micro-pips, on va dire, ou mini-pips, ou comme vous voulez. Et le take profit, par exemple, qu'on va poser ici. Et voilà, je pense que c'est bon pour une première initiation à MetaTrader et connaître quelques concepts très très basiques du trading. Voilà, je vais faire du CRO, c'était de la démo de toute façon. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Je réfléchis, je vois N plus. Donc, n'hésitez pas à partager la vidéo, partager le blog. Ça m'aide pour référencement. Et si ça peut aider des gens, c'est cool. Allez, je vous remercie et à la prochaine.